Good morgen, allez, Yid, et tu sois aujourd'hui le Lishmat, Abraham, Nachachai, Norbert, bonne fortune et Mazal, Yedida, Batester, Yakov, Nissim, Ben Chane, Marlouf, Micha, Ben Masouda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions aujourd'hui Maseret Ketut, Perek Gimel, Mishnah, Hey, Yesh, Ba, Bia, Achat, Vechaya, Valia, Shesh, Chataot, Abba, Hal, Bito, Chaya, Valia, Mishum, Bito, Va, Achoto, Veshat, Achiv, Veshat, Achiaviv, Veshat, Ish, Venida. והבעל בת ביתו חייב עליה משום בת ביתו וקלתו ואחות אשתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואשת איש ונידה. רבי יוסי אומר, אם עבר הזקן ונשאה חייב עליה משום אשת אב וכן הבעל בת אשתו ועל בת בת אשתו. On a commencé dans la Mishnah précédente à découvrir des situations où on fait une seule action. On avait parlé par exemple de manger un seul kazaït de quelque chose, mais sur laquelle on va être passible. Cinq transgressions sur un seul kazaït. On avait évoqué le cas de celui qui mange du chélève, qui est des restes de kochim, qui est devenu notar, donc, et c'était Yom Kippour et tout ça, et ainsi de suite. Pour chaque fois, puisqu'il a transgressé cinq avérotes en même temps, il sera chayav cinq korbanot. On continue à présent, dans notre Mishnah, dans les quelques Mishnayot qui vont suivre, à parler d'inceste. Une seule femme, qui représente pour un homme, 5, 6, 7 cas d'inceste, parfois même un peu plus, comme ce qu'on va voir justement. Le principe il est simple, il faut juste un petit peu de souplesse en généalogie pour comprendre comment le cas se présente, et c'est là un petit peu la complexité. On va travailler sur tableau, Bezrat Hashem, on coupera la Mishnah en plein milieu, comme ça j'aurai le temps de changer, de faire un autre tableau, pour pouvoir aborder la deuxième partie de la Mishnah. Des situations un petit peu affolantes d'inceste qui n'ont plus finir, mais en tout cas, pour le moment on commence en douce, pour le moment c'est assez simple. Le premier Mishnah me représente « Yesh ba bia achat, vechaya valea shesh chataot ». Il y a une personne qui va faire une seule bia, un seul rapport avec une femme, et que « vechaya valea shesh chataot », mais sur cette même avera, il va être 6, il va transgresser 6 korban chataot, il va devoir rapporter 6 chataot, parce qu'il transgresse 6 fautes. Comment c'est possible? Abba albito, celui qui va avoir un rapport avec sa fille, mais que sa fille-là, hein, elle a sur elle, en réalité, 6 causes de korban chataot, qui sont qu'elle est à la fois Chayavale Amishum Bito, c'est à la fois sa fille. Va Achoto, et c'est sa sœur. Il a réussi à avoir sa fille qui est sa sœur, vous imaginez? C'est simple. Il a eu un rapport avec sa mère, il a mis au monde une fille avec sa mère. Donc cette fille-là, elle est, par rapport à lui, c'est sa sœur. Par rapport à sa mère, par rapport à lui, c'est sa fille. Il l'a enfantée. Mais par rapport à sa mère, c'est sa sœur. Ve Eshat Achiv, et c'est aussi, cette même fille-là s'est mariée avec son frère. Mais un vrai mariage cette fois-ci. Donc là, ça va se compliquer parce que. En général, si j'ai une sœur, alors mon frère ne peut pas se marier avec ma sœur. Sauf si, comme ce qu'on va voir tout de suite, dans quelques secondes, Veshet Achiv, donc on a dit c'est la sœur de son frère, et sans plus de ça, Veshet Achiaviv, et elle s'est aussi mariée avec le frère de son père, avec son oncle. Et encore, Veshet Ish, et à part ça, c'est une femme mariée, Venida, et en plus de ça, pour couronner le tout, elle était Nida. Il a eu un rapport avec une seule femme, et en fait, il transgresse 6 interdits. Donc en fait, on a 4 cas d'inceste, plus d'inceste familial, plus encore un cas le fait que c'est une femme mariée, et encore le fait qu'elle soit Nida. Et on présente le cas tout de suite, donc en fait, en réalité, on parle que c'est sa fille qui est à la fois sa sœur. Donc en fait, je reviens maintenant, je me concentre sur mon dessin, c'est bon, on se voit tous ensemble. En fait, on a pris le cas, les noms, c'est Chas v'Shalom, c'est pas nos ancêtres Kdoshim, mais c'est juste qu'on connaît bien cette famille, avec Yitzhak, Yaakov, et sa femme Rachel, son frère Esav, donc on utilise... En général, dans les méfarchim, on utilise des cas, mais bien sûr, éviter l'amalgame, franchement, les incestes entre chez nos ancêtres, c'est vraiment pas le truc. Et donc, en fait, on parle d'un cas où il y a une fille qui est à la fois sa fille et sa sœur. Donc, en fait, il faut faire ici un rapport entre eux. Réhouven, qui a eu un rapport avec sa mère et qui a mis naissance à... Allez, comment on va l'appeler? Ben, Dina, c'est simple, puisque Léa, elle avait une fille qui s'appelait Dina. Donc, en fait, elle a eu cette Dina, d'accord? C'est le cas de figure. Et Dina. Donc maintenant, on va prendre un stylo rouge pour montrer les quatre liaisons, donc en rapport. Donc maintenant, on a Réhouven qui va avoir un rapport avec Dina. Ensuite, une fois qu'il est parti avec sa mère, lui, il est complètement à la masse, et il a eu ensuite un rapport avec cette fille-là, sa fille, sa propre fille. Donc il a eu un rapport avec elle. Premièrement, c'est sa fille. Deuxièmement, c'est sa sœur si on passe par sa mère. Ensuite, il y a eu autre chose qui s'est passée auparavant. C'est que cette Dina-là, elle s'est mariée une première fois avec Yosef, qui était le frère de Réhouven.
mais qui avait aucun problème à se marier avec Dina. Pour quelle raison? Parce que le rapport familial entre Yosef et Dina, il n'y a aucun rapport familial. Puisque le père de Dina, c'est Reuven, la mère de Dina, c'est Léa. Et le père de Yosef, c'est Yaakov, la mère de Yosef, c'est Rachel. Donc en fait, ils n'ont aucune inceste. Yosef, il peut tout à fait se marier avec cette Dina-là. Il s'est marié une première fois à Yosef, avec elle, et Yosef, il est mort. Or, la femme de son frère, même lorsque le frère décède, eh bien, elle lui reste interdite. Donc, interdite Mishum Eshet Ach. Après Yosef, il a quitté le monde, et il y a le tonton Essav qui s'est marié avec Dina. Il n'y a aucun problème parce qu'un oncle se marie avec sa nièce. Ouais, mon frère a des filles, je peux me marier avec ses filles, il n'y a aucun interdit. Il y a même le Ramban écrit dans la Torah, c'est une mitzvah même. Ça ne se fait plus à notre époque, d'accord, il y a des problèmes de génétique. Mais en tout cas, donc en fait, il s'avère que Essav, il peut tout à fait aussi se marier avec cette Dina. Et Béhémeth, c'est ce qui s'est passé. Essav, il s'est marié avec Dina, et il est encore marié. Et une fois qu'elle est mariée, donc Réhouven, le Maouj, il est le pauvre, il a des grands problèmes, lui. Et il a eu un rapport avec sa propre fille Dina, qui est à la fois la femme de Essav. Donc ça fait déjà deux interdits, puisque c'est la femme de son oncle. Il faut savoir, c'est un peu compliqué les incestes, en fait, des oncles et des tantes. De manière générale, les oncles de premier, oncles et tantes de premier niveau, la sœur de ma mère ou la sœur de mon père, c'est des vrais incestes. Par contre, la femme de mon oncle, du côté paternel, mais interdite, et côté maternel, c'est un peu assez différent. D'accord? Ce qui m'intéresse pour le moment, donc, Réhouven, il s'avère que l'oncle, regardez, Yaakov et Esav, c'était deux frères, c'était les deux enfants de Yitzhak. Donc Yaakov, c'est le père de Réhouven, Esav, c'est son oncle, sa femme, elle lui est interdite. Donc Yaakov, il s'est marié, Esav, il s'est marié avec Dina. Ok? Donc ça fait que par rapport à Réhouven maintenant, lorsque Réhouven il va avoir un rapport avec cette Dina-là, cette Dina, ça va être à la fois donc sa fille directement. Ça va être en plus de ça, sa sœur, puisqu'ils sont tous les deux les enfants de Léa. Ouais, par rapport à Léa, donc c'est sa sœur. Donc ça fait un, deux. C'était aussi la femme de son frère. Il n'y avait pas de hiboum, il n'y avait rien à faire. C'était aussi la femme de son frère, elle est Assoura à cause de Eshet Ach. Et c'est en plus de ça, la femme de son oncle. Essav. Oui, c'est la femme de son oncle, qui est en ce moment mariée, en plus de ça. Donc ça fait que maintenant, il y a déjà cinq interdits. Rajoutez sur ça l'anida, et on a atteint les six korban khatat dans la même situation. Pour rappel, par rapport à la Mishnah précédente, En Issour Halal Issour, vous vous rappelez la règle, une chose qui est interdite, elle ne peut pas devenir interdite, sauf si, en devenant interdite, alors elle va. Sauf si le deuxième interdit qui cherche à s'appliquer sur elle va concerner d'autres personnes, ça va être soit Issour Mossif, soit Issour Kollel, on ne va pas rallonger sur le sujet, ça va faire trop lourd. Regardez le cours d'hier, vous allez tout comprendre comment elle était. Quand c'était sa fille pour le moment, elle était permise à. C'est-à-dire la complexité, en fait, elle est simplement de comprendre que lorsque Yosef il va se marier avec Dina, par exemple, eh bien, imaginez qu'il y a en fait un autre frère en plus, Binyamin. Étant donné que lorsque Yosef va se marier avec Dina, Dina, elle va devenir interdite sur Binyamin, alors elle va aussi devenir interdite sur Réhouven. D'accord? C'est normal, c'est le principe du Issour Kollel, Issour Mossif par rapport aux autres frères. Je n'allonge pas trop sur ça. Je coupe la caméra tout de suite et on se retrouve dans quelques secondes. Je fais le deuxième tableau pour le deuxième cas de figure de la Mishnah. Allez, deuxième ronde maintenant. On attaque la deuxième partie de la Mishnah avec une nouvelle série d'incestes. Ve'abal bat bito, celui qui va avoir un rapport avec sa petite fille. C'est-à-dire, d'abord je m'explique tout de suite, c'est quoi avoir un rapport avec sa petite fille. Moi, j'ai un garçon et une fille. Mon fils, ma fille qui va avoir une fille, eh bien, c'est une inceste de la Torah pour moi. Ma petite fille. Pourquoi? Pas parce que c'est ma petite fille, mais parce que c'est la petite fille de ma femme. C'est-à-dire, moi, je suis permis à ma femme, puisque j'ai le droit d'avoir un rapport avec ma femme, j'ai le droit d'avoir un rapport avec sa fille, même si elle n'est pas de moi, et ni avec sa petite fille. D'accord? C'est important parce que, par contre, la petite fille du côté de mon fils, donc c'est mon fils, il va avoir une fille, là, j'aurai plus d'interdits de la Torah, mais que mes rabbanan, ce qu'on appellera les interdits de Shniyot, qui sont explicités dans Masechet Yevamot. Ok? Parce que finalement, j'ai plus un rapport entre une mère et sa fille ou une mère et sa grand-mère, puisque sa mère à elle, c'est ma belle-fille, c'est plus ma fille. Donc, d'accord? Donc, il y a un interdit que mes drabanan. Ça, c'était qu'entre parenthèses, parce que ça nous servira pour la suite. Je préfère le prédire tout de suite. Et maintenant, on attaque. La balle bat biteux. Donc, on va parler d'un cas cette fois-ci où il va avoir un rapport avec sa petite-fille.
Il va être Hayav. Hayav aléa, Mishum Badbito. Il va être Hayav, il va être passible d'apporter un korban khatat. Parce que cette petite fille-là, c'est premièrement sa petite fille. Vekalato, et c'est sa bru. Vachotishto, et c'est la sœur de sa femme. Veeshet Achiv, et en plus de ça, c'est la femme de son frère. Veeshet Achi Aviv, et c'est la femme du frère de son père. Et rajouter à ça en plus, le fait qu'elle soit Eshet Ish, et le fait qu'elle soit une femme mariée, et que le fait qu'elle soit Nida, ça fait 7 korban khatat sur une même femme. Et Rabbi Yossi va nous en rajouter un juste après. Mais pour le moment, on explique d'abord, on illustre ça. Vous connaissez bien cette famille, cette fois-ci l'arbre généalogique, il est plus sur la longueur. On a besoin de descendre plus profondément. Vous connaissez un petit peu la famille quand même. On a Nahor, c'était le frère d'Abraham. Il a eu Betuel, il a eu plein d'enfants. Et Uzbechoro, il y en a un qui s'appelait Pildash, donc j'aime bien son nom, Pildash. Betuel et Pildash, ok, c'est deux frères. Betuel s'est marié avec une femme, qui ensuite s'est aussi marié avec un autre mari, qui s'appelait Mouloud. Ouais, ok. Donc de Betuel ont eu deux enfants. Il y a eu Lavan, le fameux Lavan, le père de Rivka. Et il avait un frère qu'on appelait Shachor, le contraire de Lavan, d'accord? Comme ça on se souvient du nom. Lavan, il s'est marié avec une autre femme, il a eu Léa, et il a eu un deuxième garçon qui s'appelait Ploni. Ouais, appelez-le comme vous voulez. Léa s'est mariée avec Yaakov, elle a eu Dina. Yaakov avait une deuxième femme qui s'appelait Bilha, et il a une fille qui s'appelait Serach. Voilà l'arbre à connaître, d'accord? Ce qui va nous intéresser, je vous le dis tout de suite, je vous annonce la couleur, c'est qu'on va dire que Lavan, on va parler de Lavan qui va marier, qui va avoir un rapport avec sa petite fille Dina. Eh ben mince, on le remonte tout de suite, ne vous inquiétez pas. Lavan, il va avoir un rapport avec sa petite fille Dina. C'est bon, il est encore cadré. Donc Lavan, il va avoir un rapport avec sa petite fille Dina. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ce fil qui s'est fait. Voilà, on est là, donc Lavan a un rapport avec sa petite fille Dina. Donc, premièrement, premier inceste. Et on va lui coller dessus les 5 incestes de famille, plus le fait qu'elle soit une femme mariée, et le fait qu'elle soit une femme Nida en plus. D'accord? C'est avec le 7e khatat. Comment est-ce qu'on va y arriver? C'est très simple. On rajoute sur ça 2 cas. Premièrement, Dina s'est mariée avec Ploni, il n'y a aucun problème. Nahon, on avait appris, on a dit les liaisons permises, on les aimait en noir. Léa s'est mariée avec Ploni, donc pour c'est sa nièce, il n'y a aucun problème, je peux me marier avec ma nièce sans aucun problème. Et il s'avère donc que maintenant, Dina, c'est aussi la bru, c'est aussi, donc c'est devenu la bru de Lavan. En plus d'être sa petite fille, c'est devenu la bru de Lavan. Par lui, il transgresse une deuxième inceste. Mais en plus de ça, Lavan, il s'est marié avec Serach. Il n'y a aucun lien familial entre eux, si vous faites attention. Ouais, c'est au maximum, c'est la fille de son gendre. Aucun problème, parce que je me marie avec la fille de mon gendre. C'est pas une inceste. Mais le problème, c'est que Serach, c'est devenu maintenant hein, la sœur de sa petite fille, parce qu'elles ont le même père, c'est le même Yaakov. Donc il s'avère que maintenant, Lavan, il va transgresser en plus de ça, une nouvelle inceste dans ce sens. Donc regardez, pour le moment, on en a déjà fait 3. Sa petite fille, c'est à la fois sa Kala, sa belle-fille. Et c'est en plus de ça, sa belle-sœur, puisqu'il est marié avec Serach. Mais ça s'arrête pas là. On continue, là j'ai besoin de mon petit papier. Non, bon, on va pas le faire directement de tête, on s'en sortira mieux, je pense. Et c'est la deuxième fois que je retourne cette deuxième partie de la Mishnah, vous sachiez. C'est aussi pour moi, si c'est dur, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, on a Vechayavala, donc Mishum, Badbito, Vekalato, Vachotishto. Pour le moment, c'est ce qu'on a fait. En plus de ça, c'est Eshet Achiv. Shachor s'est marié avec elle. C'est lui, Shachor. Sauf que ça ne me plaît pas, en fait, ce que j'ai fait. C'est que j'aurais préféré mettre que Shachor, en fait, c'est son frère à Lavan, mais pas par Betuel. Vous allez comprendre pourquoi après, pour le moment. Mais je préfère dire qu'en fait, non, Shachor, il est venu par ici, d'accord? Excusez-moi, Lavan, c'est par lui. Ouais, j'ai un peu foiré mon coup, mais c'est pas grave. Lui, il est venu comme ça, d'accord? On oublie. Ils sont frères, certes, mais que par deux mères. Que deux mères, mais pas deux pères. Ils ont pas... D'accord? Donc maintenant, c'est technique. Pour le moment, ça me change rien en problème, mais c'est pour la suite de la mission que vous allez, que ça va être nécessaire. Donc après, maintenant, il s'est passé que... Donc, je sais plus où elle en était pour le moment Dina. Dina, elle était mariée à Ploni. Ploni, il est mort. Et Shachor, qui est le frère de Lavan par sa mère, s'est marié avec Dina. Il s'est marié, donc il a le droit de se marier avec Dina. Il n'y a aucun problème pour le moment. D'accord? Pour le moment, donc il s'est marié avec Dina. Et donc, maintenant, il s'avère que cette même Dina-là, c'est en plus de ça, la femme de son frère. Et une nouvelle inceste. Ok? Ça, c'est pour arriver à Eshet Achi Aviv. Eshet Achiv, c'est la femme de son frère. Donc, encore une fois, je recommence pour le moment. On a donc Lavan, que c'est sa petite fille. Dina, c'est sa petite fille, en passant par Léa. C'est, à part ça, sa bru, parce que c'était la femme de Ploni avant qu'il décède. Et en plus de ça, c'est sa belle-sœur, parce que c'est la femme de Serach. Et en plus de ça,
peut dire que aussi sa belle-sœur, en passant, cette fois-ci, c'est la femme de son frère, en passant par Shachor, qui est son frère de mère. Shachor, il est mort. Tac. Et c'est tout pour le moment. D'accord? Pour le moment, non, c'est pas tout du tout. Et pour le moment, on a Eshet Achi Aviv. Et maintenant, on a la femme. C'est aussi devenu la femme du frère de son père. C'est-à-dire, on remonte chez Lavan, Betuel, on remonte une génération supplémentaire, et on trouve là-bas un frère, vous choisissez lequel, Pildash. Ouais, en fait, c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur, je pense que c'est un peu trop, il valait mieux faire comme ça. C'était trois frères de père, les trois. D'accord, ça m'arrange plus. C'était trois frères de père, Mouloud, Betuel et Pildash. En fait, ils s'appelaient Outz, si on veut rester fidèle à la Torah, d'accord. Enfin bref, je vais pas vous casser les têtes avec mes trucs, et je vous explique. Donc on avait trois frères. Cette Dina-là, une fois qu'il est mort, Shachor, alors, cette fois-ci, c'est Pildash qui s'est marié avec elle. Tac. Il s'avère que maintenant, lorsque Lavan il va avoir un rapport avec elle, eh bien, il va avoir un rapport avec la femme du frère de son père. C'est encore une nouvelle inceste. Donc pour le moment, on a réussi à faire 5 cas d'inceste. 5 liens familiaux, avec cette même Dina. Donc, c'est à la fois sa petite-fille, c'est à la fois sa Kala, sa belle-fille, c'est à la fois la sœur de sa femme, c'est à la fois la femme de son frère, c'est à la fois la femme de son oncle, Pildash. C'est la femme de son oncle qui est le frère de son père. Il y a encore une nouvelle fois inceste, donc ça nous fait 5. Plus, rajouter à ça le fait que maintenant, Pildash est encore marié avec Dina, donc c'est une femme mariée. Bien sûr, selon le principe, ils sont moussifs, ils sont collés, chacun il a des raisons pourquoi il va être concerné par cet interdit. Et le fait qu'on me ça, les Nida, donc ça fait une de plus. Rabbi aussi m'enseigne maintenant une nouvelle halakha. Il m'a avar zaken un sa'a, chayav alea mishum shatav. Finalement, le Houtz, il était complètement trop. La Mishnah m'enseigne, si le zaken, le père, en fait, le grand-père, arrière-grand-père, en fait, s'est marié avec sa petite-fille, s'il a transgressé en se mariant avec elle, eh bien, alors il sera aussi chayav mishum shatav. Il sera aussi chayav à cause de la femme de son père. C'est-à-dire, la Mishnah évoque le cas où, après Pildash, il est mort. Et c'est Betuel qui se marie avec elle. Et on va y arriver dans 30 secondes. C'est Betuel qui décide de se marier avec elle. Il n'a pas de problème minatora, parce que c'est pas sa petite fille par les femmes, mais c'est sa petite fille par son fils, comme ce qu'on a expliqué au tout début de la deuxième partie. Ouais, il a juste un interdit de chniot. Donc, il s'est marié avec elle. Il s'avère que si Lavan va avoir un rapport avec elle, il va transgresser une nouvelle inceste, qui est la femme de son père. Sauf qu'il y a un problème technique. Il y a un problème technique que Betuel, il pouvait pas se marier avec elle, puisque pour Betuel, c'était la sœur de son frère. Ouais, je peux pas marier avec la femme de mon frère. Sauf à une exception. C'est en fait, Pildash, quand il s'est marié avec Dina, ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Pildash n'a jamais eu d'enfant. Donc, elle va tomber, elle va avoir le hiboum. Betuel est censé lui faire le hiboum. Il a fait le hiboum, il n'avait pas le droit de le faire, parce qu'un interdit de Ramadan de se marier avec sa petite fille, même quand, en passant par le fils, d'accord, comme ça on expliquait. Mais s'il a transgressé et qu'il a vraiment fait, ben, il s'avère qu'il y a une nouvelle cas d'inceste, donc ça ne fait 6 cas d'inceste pour une même femme. Ajouté à ça le fait inceste familial, plus le fait que ce soit une femme mariée, et plus le fait qu'elle soit Nida, donc ça fait qu'on va être Hayav 8 ratat pour un rapport avec cette femme-là. Ok. Et la Mishnah, là, on rallonge plus, je vous le traduis. Vechenaba albat ishto, si vous faites le même jeu d'arbre généalogique, vous y arriverez aussi. À Bat Ishto, la femme de sa femme, la fille de sa femme, vous pouvez retrouver dans la même situation, même si ce n'est pas sa petite fille, mais vous faites plutôt que Lavan, il avait directement, Bat Ishto, que sa femme-là, elle avait une autre femme. Par ailleurs, vous réussissez, si vous cherchez, vous fouinez, si vous voulez, vous avez le Tiferet Israël qui le fait, mais je ne peux pas rallonger trop mon cours, parce que je sais que ça pèse trop, sinon, et voilà, donc vous avez le même cas avec Bat Ishto, la femme, la fille de sa femme, Val Bat Ishto, vous pourrez aussi arriver à la même, au même type de 7 ou 8, selon lui aussi, pour celui qui va avoir un rapport avec la fille de la fille de sa femme aussi. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol tov, Sala.